Bon matin. Tiens. Ouvrit la barrière. Et sorti dans la grande prairie verte. Petit oiseau. Apercevant le canard, le petit oiseau vola près de la mare, se posa sur le gazon et haussa frénétiquement les épaules. Quel drôle d'oiseau es-tu, toi qui ne sais pas voler? À quoi le canard répondit: mais quel drôle d'oiseau es-tu, toi qui ne sais pas nager? Et il plongea dans la mare. Et ils discutèrent et discutèrent à l'infini. Le canard plongeant dans la mare et le petit oiseau sautillant le long du bord. Les gars sont tels que lui ne craignent pas les lions.
Le conduisez jusqu'à la maison. Est-il parti? Vous entendez? Un énorme loup gris sorti de la forêt. Tout coquin est dans une folle excitation. Le canard, pardon, sorti de la mort. Mais là, pauvre canard, il avait beau courir, il ne pouvait s'échapper. Oh loup, il a pas joué. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre, pas trop près du chat, et le loup tournait en rond autour de l'arbre. Se tenait derrière la barrière fermée
événements et il courut à la maison. En revint avec une forte corde. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup dépassa le mur de pierre. Pierre sauta sur le mur, attrapa la branche, grimpa dans l'arbre. Puis il dit à l'oiseau, bec tourné, vole en route autour de la tête du loup. Oh, prends garde cependant qu'il ne t'attrape. Combien l'oiseau tarabustait le loup. Et combien le loup aurait voulu s'en saisir. Mais l'oiseau était le plus malin. La 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 la. Et le loup. Pendant ce temps-là, Pierre, lui, avait fait un lasso. Chut. Oh, pardon, excuse-moi, monsieur, j'ai pas fait exprès. C'est que je suis un peu dissipée. Ça va? Excuse-moi. Pardon. Et prudemment, il le laissa descendre. Tira le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Se sentant pris, le loup se mit à sauter sauvagement pour se dégager. Mais Pierre avait noué à l'arbre l'autre extrémité de la corde. Et les sauts du loup ne faisaient que resserrer le nœud qui lui tenait la queue. Alors, vous entendez? Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est grand-père. Grand-père, vous êtes sûr? Oui. Ça vient d'où? Et c'est où? C'est le chanteur qui ramène le loup. Petit oiseau et moi, nous avons attrapé le loup. Ne bougez pas, les enfants. Nous arrivons. Mais non. Mais aidez-nous maintenant à le ramener au jardin zoologique.
Et maintenant, imaginez la procession triomphale. Vous savez claquer de la langue comme ça? Attendez. Bravo. Tu dis papa.
Merci.